Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo Buzz Télévision. Voici les principaux titres. La résurgence du M23 au Nord Kivu est au centre d'une réunion de haut niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est ce jeudi à Nairobi au Kenya. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à cette rencontre de grande importance pour la RDC. Rien à filtrer de ces échanges qui se sont déroulés sous une forte surveillance. Et puis, les bureaux de l'Assemblée nationale, plus que jamais déterminés à invalider les députés absentéistes. La question a été évoquée au cours de la réunion de la conférence des présidents des groupes parlementaires. Une commission sera mise en place pour statuer sur ce dossier. Enfin, vous le savez, la RDC a un nouveau juge à la Cour commune des justices et d'arbitrage de l'OADA. Un Congolais a été élu au poste de premier vice-président de la Cour commune des justices et d'arbitrage de l'OADA. La ministre de la Justice, dans une conférence de presse organisée ce jeudi, fait savoir que son élection rentre dans la vision du chef de l'État, celle de la représentativité de la RDC dans les organisations internationales. C'est tout pour les titres. Merci de nous faire confiance. Je disais dans les titres, il s'est tenu ce jeudi à Nairobi, la capitale du Kenya, une réunion de haut niveau sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. La question sur le retour de la rébellion du M23 a été au menu de cette rencontre de la communauté d'Afrique de l'Est. Le président Félix Tshisekedi a pris part à cette réunion de grande importance pour la RDC, car il s'agit de trouver des voies et moyens pour mettre fin à l'insécurité qui gangrène cette partie de la région. Rien à filtrer de ces échanges entre chefs d'État qui se sont déroulés sous une forte surveillance. Signalons que le président rwandais Paul Kagame était le grand absent. Il s'est fait représenter à ses assises par son ministre des Affaires étrangères. Nous y reviendrons avec force dans nos prochaines éditions. La haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d'appel en chambre foraine à Bunia, en Ituri, a rendu 3 arrêts dans son audience publique du 19 avril, condamnant 3 officiers des FARDC à 2 ans de servitude pénale principale pour détournement des rations et primes des militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés étrangers et nationaux en Ituri. Un récit de Daniel Kamboa. Condamne le prévenu Taïngo, sans admission des circonstances atténuantes, à 10 ans de servitude pénale principale. En cette période de l'état de siège décrété par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo en Ituri et au Nord Kivu, tout acte commis par un militaire, quel que soit son rang, sera sévèrement sanctionné afin de maintenir la discipline au sein de l'armée. La haute cour militaire siégeant en matière répressive au décret d'appel en chambre foraine à Bunia a rendu 3 arrêts dans son audience publique de ce 19 avril 2022. Les peines varient entre 6 mois et 10 ans de prison. Le directeur de la prison centrale de Bunia, le lieutenant-colonel Camille Nzonzi, poursuivi pour évasion des détenus, s'est vu acquitté faute de preuves. Par contre, des colonels et un major ont été condamnés à 2 ans de servitude pénale principale pour détournement des rations de combat et des primes des militaires engagés dans les théâtres des opérations contre les forces négatives. Suivez un extrait du prononcé de cet arrêt. Le lieutenant-colonel Nzonzi Mokonyo Camille l'en acquitte et le renvoie des fins de poursuite sans frais. Ainsi arrêté et prononcé. Conformément à la loi, les condamnés lésés par cet arrêt ont droit d'aller en appel à la Cour de cassation dans les délais prévus. Ouvrant le chapitre politique, après son report le mercredi dernier, c'est finalement ce vendredi 20 avril 2022 que les députés nationaux vont débattre sur la proposition de loi modifiant la loi électorale. La question a été évoquée mercredi lors de la réunion de la conférence des présidents des groupes parlementaires. La conférence a aussi statué sur la question relative à la vacance au poste du premier vice-président. Suivez le rapport.
rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi Liboula, qui fait la restitution de cette réunion. Il est au micro, une fois de plus, de Daniel Kamboa. La conférence des présidents a été convoquée aujourd'hui. Des questions importantes inscrites à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la communication du président. Et ensuite, cette conférence a été présidée par le patriarche, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso. Le premier point, c'est la communication du président. Dans la communication, il a été question de communiquer aux différents présidents des groupes parlementaires et des commissions, c'est-à-dire des organes techniques et des consultations de l'Assemblée nationale, le calendrier faisant état du dépôt des candidatures pour pouvoir au poste du premier vice-président qui est vacant. Et le président de l'Assemblée nationale a été explicite là-dessus. Ce poste revient à une des composantes de la majorité, et précisément la composante cash. Un calendrier sera publié dans les jours qui suivent avec les dates précises pour le dépôt des candidatures. Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés. Et lors de la précédente conférence, réunion de la conférence des présidents, et il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Alors, les rapports ont été élaborés, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absents sont connus, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. Et sachez que le bureau de l'Assemblée nationale est déterminé à invalider les députés absentéistes. Les élus concernés seront bientôt convoqués devant une commission pour être entendus avant la décision finale de leur invalidation. Christophe Mbosso et les membres de son équipe veulent aller jusqu'au bout pour décourager ce genre de pratiques. Commentaire, Kriyoni Kibungu. À l'Assemblée nationale, toutes les batteries sont désormais mises en marche pour invalider les députés absentéistes. Le bureau Mbosso ne veut plus tergiverser pour faire partir tous les élus qui refusent de se présenter aux plénières. Au cours de sa réunion de mercredi 20 avril, la conférence de présidents de groupes parlementaires a opté pour leur invalidation. D'après le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, une commission sera mise en place pour analyser le rapport général de participation individuelle de chaque député aux plénières. À en croire Joseph Lembi, ceux qui auront plus de 60% d'absence aux plénières seront invalidés et remplacés par leurs suppléants conformément au règlement intérieur de cette chambre du Parlement. Il précise que les députés concernés seront convoqués pour se justifier et présenter leurs éléments de défense avant la décision finale qui aura pour objectif de décourager ce genre de pratique. Parmi les élus cités figurent notamment Adolphe Mouzitou, Papi Nyango, Aubin Minaku, Henri Mouvasakani, Marie-Ange Mouchebekoa ainsi que Charles Nawej. Indexé également sur la liste, le député Boniface Balamagué parle d'une fausse alerte pour détourner l'attention de l'opinion sur le vrai problème qui concerne la nation, notamment les questions électorales. Pour lui, Christophe Mbosso Kodia et son équipe sont gênés par les actions de certains députés de l'opposition parlementaire qui militent pour son départ. Je disais dans les titres, la RDC a un nouveau juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Il s'agit du juge Jean-Marie Kambouma, élu
au poste de premier vice-président de la CCJA. Dans une conférence de presse tenue ce jeudi à Kinshasa, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, a indiqué que son élection rentre dans l'étroite ligne de la vision du chef de l'État, celle de la représentativité de la RDC dans différentes organisations internationales. Suivez ce reportage. L'élection a eu lieu au cours de la 52e session du Conseil des ministres de l'OADA. Au total, 12 candidats étaient en lice et 5 seulement ont été élus, parmi lesquels le juge congolais Jean-Marie Kabumba. Parmi les critères, avoir passé au moins 15 ans dans la magistrature, et le juge congolais lui compte à son actif 25 ans de carrière. Il y a eu un comité ad hoc constitué des panélistes qui devraient interviewer les différents candidats. Ils étaient nombreux, ils étaient au nombre de 12. Et à travers ce panel, on a pu donner des cotations à chaque candidat présent. La question de 350 millions que l'Ouganda doit à la RDC s'invite au débat. La ministre de la Justice explique que l'argent sera affecté, notamment aux œuvres sociales. Par rapport au dossier RDC-Ouganda, comme vous le saviez, c'était au mois de février qu'on a prononcé par la Cour internationale de justice la sentence condamnant l'Ouganda a payé à la RDC 350 millions. On est dans les procédures et cela doit se faire tout le 1er septembre de chaque année. Et ils doivent payer pendant 5 ans 65 millions par an. Et cette somme, ce n'est pas pour se partager, c'est une somme qui sera destinée à l'indemnisation des victimes des atrocités qui se sont passées à Ituri et à Kisangani. S'agissant du dysfonctionnement observé au sein de l'appareil judiciaire congolais, avec en toile de fond le désordre dans le traitement des dossiers des prévenus occasionnant la surpopulation carcérale, Rose Mutombo explique. Pour pallier à cela aussi, je viens dernièrement de redynamiser l'inspection des services pénitentiaires et en nommant un nouveau inspecteur général. Cela va permettre à ceux qui sont parmi ces inspecteurs-là, ils sont entrés pour le moment de travailler au niveau de la prison centrale de Makala pour pouvoir voir quelle est la situation exacte des différentes personnes qui sont incarcérées là-bas. Et avec ce rapport, ça va me permettre de voir comment on peut désengorger la prison de Makala et à travers ce travail, les différentes prisons de la RDC. La Cour commune de justice et d'arbitrage fait partie des organes de l'OADA, créée le 13 octobre 1993 à Port-Louis, en Île-Maurice. On va parler économie dans ces journaux. Hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Le gouvernement vient de geler la TVA sur certains produits, justement pour pallier un tant soit peu à cette situation. Au chapitre des réactions, si pour certains quinois c'est une mesure salutaire, d'autres par contre estiment qu'il faut plutôt booster la production en interne. Ils l'ont dit au micro des Congobuzz Télé. Le monde entier, l'humanité tout entière traverse un moment difficile. Moi, je vis entre Kinshasa et les États-Unis. J'ai vu des mesures économiques plus importantes que celles que l'État vient de poser. Casser la TVA, c'est un plus dans le prix. Donc, si quelqu'un qui achète une boîte de lait à 10 000 francs et qui peut l'acheter à 8 000 ou disons 8 200 et qu'il épargne par exemple 1 800, c'est quelque chose. Et 1 800 sur plusieurs produits, ça peut lui permettre de faire des économies. Maintenant, si l'État estime que c'est la mesure qu'il faut, on ne peut que louer. Maintenant, il faudrait aussi que les opérateurs économiques sachent répercuter cela sur les prix.
Il ne faut pas que l'État prend des décisions et qu'eux ensuite trouvent des astuces pour garder les mêmes prix. Donc c'est dans le contexte actuel, il est clair que l'État doit faire quelque chose. Aux États-Unis, par exemple, durant toute la période de Covid, l'État américain a dépensé des milliards de dollars pour soutenir les entreprises à ne pas fermer et à rester opérationnel après la Covid. Donc nous savons que nous n'avons pas les mêmes moyens, mais c'est une des mesures. Maintenant, dans l'application, je ne suis pas économiste, les ministres de l'économie, certainement, en connaissent mieux. On peut augmenter ou réduire la TVA. On peut instaurer ou retirer la TVA. Mais le socle du financement du pays, c'est sur l'agriculture. Tant qu'un pays sait produire, c'est ce qui le met en compétition avec les autres États. Tout ce que j'aimerais que la République prenne conscience, que la terre doit produire, c'est une décision provisoire. C'est une bonne nouvelle. Parlant de ce dénouement heureux de la crise entre la délégation syndicale des agents de la régie des voies aériennes et leur directeur général à l'issue d'une réunion tenue ce jeudi 21 avril à la direction générale de cette entreprise a promis de payer progressivement les arriérés des agents. Rassurés, les bons syndicats ont décidé de suspendre la grève déclenchée depuis 2 semaines. C'est un reportage de Jacques Moulin. Néné, rendu ici par Daniel Kamboa. RVA, viva! Viva! RVA, viva! Viva! RVA, viva! 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 Elle est suspendue, la grève au niveau des agents de la régie des voies aériennes qui avaient cessé le travail durant 2 semaines. Ils revendiquaient les paiements des 6 mois d'arriéré des salaires. À l'issue de la réunion de ce jeudi 21 avril tenue à la direction générale Andolo, les deux parties, le directeur général, M. Aimé Poiti, président de l'intersyndicale, dévoilent l'essentiel de cette rencontre. L'employeur va nous payer 3 salaires qui va aller jusqu'au mois de juin, au début du mois de juin. À ce moment-là, on aura atteint notre objectif qui consistait à réduire les arriérés de salaire qui étaient de 6 mois. Donc, à partir du 7 juin, on aura 4 mois d'arriérés et non 6, donc c'est positif pour nous. La grève n'a pas été levée, la grève a été suspendue. Pour nous, bon, vous savez, nous venons de vivre une mauvaise expérience. On avait signé un protocole d'accord avec l'employeur qu'il n'a pas respecté. C'est pourquoi nous nous sommes dit, bon voilà, cette fois-ci on va encore signer un avenant. Mais faut-il arrêter la grève? Nous avons opté pour la suspension. C'est pour les contraindre aussi à respecter ce que nous nous sommes dit. De même, le vice-président Ngerengo Orakemoa reste très préoccupé aux arriérés de ceux qui travaillent à l'intérieur du pays. Nous avons pu trouver, après des âpres discussions, un terrain d'entente avec notre autorité. Au départ, nous étions pleins de constater que les arriérés des salaires de 6 mois à Kinshasa et ceux de l'intérieur qui avaient plus de 6 mois ne diminuaient pas. Alors nous avions demandé à l'employeur, au travers d'un protocole d'accord, de se battre pour trouver de nouveaux moyens pour réduire ne fût-ce que 1 ou 2 salaires en dehors 4 mois. De leur côté, les agents permanents, par la voix des représentants, ont salué le dévouement de la cause. Nous étions à 6 mois d'arriéré, presque, et on sollicitait 2 mois pour réduire un peu l'arriéré parce qu'il y avait des difficultés. Les agents voudraient que ces 2 mois-là soient payés 10 coups au même moment. Mais malheureusement, après débat et après beaucoup de temps, on a revu ça à 2 tranches. Ça veut dire... Dans 2 semaines, le DG va payer 1 mois et après 30 jours, il va payer encore une autre mois et on va réduire à 4 mois. Notons que le directeur général, Alphonse Chungu, un bon père de famille, a exhorté les employés à revenir au bon sentiment pour le bien-être de leur entreprise. On va parler santé. La campagne de vaccination contre la polio était au menu des échanges ce 20 avril entre les ministres de la Santé, Jean-Jacques Bongani, et une délégation du comité des opérations polio venue faire le point sur la dite maladie dans les pays. La suite en images.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a échangé le mercredi 20 avril en son cabinet de travail avec une délégation du comité des opérations polio en République démocratique du Congo afin de faire le point sur la situation au sujet de la maladie dans le pays. Accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumbankulu, le ministre Jean-Jacques Mbungani a fait le point sur le préparatif de la prochaine campagne de vaccination contre la polio ainsi que les défis et les voies et moyens pour mener à bien cette campagne. Au sortir de leurs échanges avec le numéro 1 de la santé en RDC, le colonel Dr Anissé Mouéou, chargé des activités de vaccination supplémentaire et coordonnateur intérimaire du coup, a indiqué que le ministre de la Santé s'est montré très attentif à la problématique des ripostes contre la polio et a donné des instructions claires pour une lutte efficace. Le ministère de la Santé a une institution qui est chargé de lutte contre l'épidémie de poliovirus. Et donc, c'est dans le cadre du suivi des activités du comité d'abord, du comité des opérations polio, et faire un point particulier par rapport à la campagne de vaccination contre la polio pour les cas qui sont déclarés dans la province du Maniema. Effectivement, nous avons fait part au ministre de ce qui est déjà fait à travers les appuis du niveau global, c'est-à-dire le GPI, comme il m'a appelé. Et nous avons voulu que le ministre s'imprègne des réalités en rapport d'abord avec les défis que nous avons pour que les campagnes se passent dans de très meilleures qualités. En guise de conclusion, le colonel Dr Anissé Mouéou a indiqué que le ministre a été très attentif et respectif et a donné des instructions claires afin que nous ayons une riposte efficace à travers la vaccination de qualité partout. Notons que cette riposte vaccinale contre la polio couvrira 152 zones de santé reparties dans 7 provinces dont la Tchopo, le Nord Kivu et le Sud Kivu et débutera au mois de mai prochain. Santé encore, l'activisme de groupes armés, la carence des produits agricoles occasionnés par la hausse des prix de certaines denrées sur les marchés est à la base de la malnutrition observée au sud du territoire des Loubéraux, sur la côte ouest du lac Édouard, dans la zone de santé des Kaina. L'alerte est lancée par les ONG et la société civile. Un reportage de Jemima Abolungu rendu ici par Bienvenue Yaï. Une augmentation des cas de malnutrition s'observe dans le sud du territoire des Loubéraux, sur la côte ouest du lac Édouard, dans la zone de santé des Kaina. Selon des sources sur place, cette situation est due à la carence des produits agricoles dont les prix ont augmenté depuis quelques semaines. À en croire les mêmes sources, les non-accès des agriculteurs dans la région des Douali, où ils seraient poursuivis par les éco-gardes ainsi que l'activisme des groupes armés, constituent les causes de cette situation. Et d'ajouter que plusieurs sources de la société civile dont la région rapportent que la malnutrition s'accentue dans la partie sud du territoire, principalement dans les régions de Kamandi, où pour la plupart des cas, les victimes sont des femmes et des enfants déplacés des guerres et sinistrés des catastrophes naturelles. Cette recrudescence des cas de malnutrition est confirmée par les médecins chefs des zones de Kaina, Aloïs Maliabwana, qui renseigne que la dite situation est devenue presque générale dans le sud de Loubéraux. Des partenaires de santé sont à pied d'œuvre pour la prise en charge de certains cas où les plus affectés sont les femmes enceintes et celles qui allaitent les bébés. Eu égard à la situation, ces derniers invitent les autorités compétentes à éradiquer l'activisme des miliciens Maïmaï dans la zone. À propos, les autorités militaires de leur côté disent prendre des dispositions. Dans un autre registre, les Nations Unies appellent les auteurs des œuvres d'esprit à collaborer en faveur des programmes de développement. Message lancé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'innovation et de la créativité. Les détails dans ce commentaire de Serpinda, rendu ici par Déborah Wamba.
l'œuvre de l'esprit est source de tous les programmes de développement et contient en son sein une valeur économique importante. La créativité et l'innovation s'expriment de différentes manières. Elles partent de l'expression artistique ou abstraite à la découverte des solutions aux problèmes de la société, voire au développement durable. Raison pour laquelle le monde célèbre chaque 21 avril la Journée internationale de la créativité et l'innovation. Après avoir sensibilisé autour du thème « L'innovation et la créativité, la richesse des nations », cette année, le thème retenu est « La collaboration ». L'objectif poursuivi cette année encore par les Nations Unies en séjour est de sensibiliser la population au rôle des créativités et de l'innovation dans tous les aspects du développement humain. Car d'après cette organisation, l'art est l'un des secteurs qui connaît la croissance économique la plus rapide au niveau mondial en termes des revenus générés et de l'emploi créé. Par ailleurs, la créativité et l'innovation occupent une place importante dans la mise en œuvre du programme de développement durable d'ici l'horizon 2030, un projet conçu par la dite organisation. Durant la célébration, les entrepreneurs, chercheurs, trouveurs et débrouillards, bref, tous ceux qui imaginent la vie sans limite sont à l'honneur. Il s'y est dénoté que la célébration dure 15 jours du 21 avril au 9 mai, des jours pendant lesquels plusieurs événements sont organisés afin de collecter des idées et de sensibiliser les organismes, entreprises et le particulier. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La résurgence du M23 au Nord Kivu est au centre d'une réunion de haut niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est ce jeudi à Nairobi au Kenya. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à cette rencontre de grande importance pour la RDC. Rien n'a filtré de ces échanges qui se sont déroulés sous une forte surveillance. Et puis, les bureaux de l'Assemblée nationale, plus que jamais déterminés à invalider les députés absentéistes. La question a été évoquée au cours de la réunion de la conférence des présidents des groupes parlementaires. Une commission sera mise en place pour statuer sur ces dossiers. Enfin, vous le savez, la RDC a un nouveau juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Un Congolais a été élu au poste de premier vice-président de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. La ministre de la Justice, dans une conférence de presse organisée ce jeudi, fait savoir que son élection rentre dans la vision du chef de l'État, celle de la représentativité de la RDC dans les organisations internationales. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des Congobus Télévision. Vivez heureux en compagnie de nos programmes. Au revoir.